On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui est pour une teinture. Ouais, je suis pas Kenny Larvin! Oh, bracelet rose. New shoes! Oh, café! Oh, pipi! C'est que ça va bien! Hey, ma gang de Mongols! Cette semaine, j'ai vécu une semaine de bonheur intensif. Ce qui m'a permis de répondre à une question existentielle. Ah! Pourquoi est-ce que je peux pas être heureuse complètement pis tout le temps? La réponse à ça est que... ça serait fucking dangereux, man! Je vous explique. J'ai commencé ma semaine avec un projet que j'avais à faire. Fallait que je fasse un arbre en forme d'isolation, là, tu sais. Tu sais, tu formes rose pour isoler les maisons, là. C'est ça. Ma chum Mel est venue m'aider, pis on a eu fucking plein de fun, là, tu sais. On travaillait, on niaisait, on a plus jasé que d'autres choses, mais en tout cas, on a eu du fun foutête, là. Tout d'un coup, le téléphone sonne, ok? C'est l'école pour me dire que le 3 octobre, on a un meeting pour nous confirmer si le cours a lieu ou pas, mais que ça regarde bien en salle. Réaction? So, je continue à gosser mon arbre avec Mel, pis ça sonne encore. Ce coup-là, c'est Emploi Québec qui m'appelle pour me dire que ils ont trouvé un programme de subvention pour subventionner les petites joies du quotidien. Réaction. Holy shit! Holy shit, man! Quoi? Holy shit! Ça fait que je recommence à gosser mon arbre avec Mel. Prochaine affaire qu'on sait, ça sonne encore. Là, c'est le bureau de Norm McMillan qui m'appelle pour me dire qu'ils vont s'occuper personnellement d'appeler Emploi Québec et puis où est-ce que j'ai fait une demande de prêts et bourses pour faire sûr que mon dossier est tout en règle et que je vais avoir droit à l'argent que j'ai besoin pour aller à l'école. Réaction? Oh my God, merci! Merci! Oh my God! Oh my God! Wow! Je capote! Pis là, c'est sûr que vu de même, ben pour l'instant, ça sonne juste bien le fun. Mais imagine, là, un autre téléphone de même, pis Oui, allô? Le cœur me lâche, là! Là, en plus, en fin de semaine, je m'en vais faire un photo shoot chez une de mes super bonnes chums de filles que j'aime au bout. Puis elle reste à Valleyfield, sauf c'est super rare qu'on se voit. Je me sens toute énervée comme une petite fille à Noël. Puis là, mais je suis tellement énervée cette semaine, je suis tellement heureuse, tout va tellement bien que je dors plus, là. Ouais, je capote, je dors plus. Donc là, j'ai tout ça dans la tête, là, tous les appels que j'ai reçus, mon arbre que j'étais en train de gosser, que ça m'est super bien, le fait que je m'envoie à ma chum. Puis là, ben, t'es porté à être trop dans ta bulle de bonheur. Ça fait que je continue à gosser mon fond avec mon exacto, puis je passe tout droit dans mon doigt. Deux fucking fois, man! Puis moi, comme trop de bonne humeur, trop dans mon nuage, ben, au lieu de capoter, faire aïe aïe, non, je me lève en sifflant, puis pour aller me chercher un plaster. Fuite, 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 fuite! Ok, non, c'est pas vrai, je suis pas capable de siffler, là, mais pareil, je me lève en chantant puis en dansant pour aller me chercher des plasters, là. Qui c'est qui va chercher un plaster en chantant puis en dansant quand il a le doigt en sang? What the fuck, là? Hey, imagine une petite affaire plus de bonne humeur que ça, puis ça devient vraiment extrêmement dangereux, là. Si je m'étais pognée comme du monde, ça aurait donné quoi? Là, là. Oups! Et c'est pour ces raisons, mesdames et messieurs, que le bonheur consommé en trop grande quantité peut être néfaste pour votre santé. C'est pourquoi je vous prescris une dose des petites joies du quotidien une fois par semaine. À la semaine prochaine! Ciao!